طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue le cours aujourd'hui dans Kitab al-Kaba'ir avec c'est le livre de Kitab al-Kaba'ir écrit par Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah avec le charh de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah. Et on est dans le chapitre toujours qui s'appelle Babun Zikrul Raib. Et donc c'est par rapport au doute, hein. Et on a expliqué plusieurs versets dans le début du chapitre avec des hadiths. Et maintenant on explique quelques athars des sahaba et des ulama. Donc on est arrivé maintenant à un athar de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit: inna min al-yaqin an la turdi ahadan bi sakhatillah wa la tahmad ahadan ala ma ataka Allah wa la talum ahadan ala ma lam yu'tika Allah wa inna Allah bi'ilmihi wa qistihi ja'ala ar-ruh wal farah fil yaqin وجعل الهم والحزن في الشك والسخط وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. Donc ça c'est la parole de Abdullah ibn Mas'ud, et après il y a la parole de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu يوم الحديبية. فعملت لذلك أعمالا. Donc on a commencé à traduire la parole de Abdullah ibn Mas'ud au dernier cours. On a expliqué qu'est-ce que ça signifie. Qu'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit que il fait partie de la certitude que de ne pas chercher l'agrément de quiconque dans ce qui amène la colère d'Allah, et de ne pas glorifier quiconque dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, et ne pas blâmer quiconque dans ce que Allah ne t'a pas donné, et que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa science et sa justice, il a fait que la tranquillité et la joie ou le bonheur soient dans la certitude, et il a mis l'inquiétude et la tristesse dans le doute et dans la colère. Et il dit également que la subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu fais beaucoup d'efforts pour l'obtenir, ça va pas te l'apporter plus vite. Et le fait que quelqu'un qu'il l'aime pas ou que ça lui déplaît que tu obtiennes cette subsistance, ça va pas le retarder ou le repousser. En voulant dire que la subsistance, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que quelqu'un fait pour que tu l'aies plus vite ou que ça te retarde cette subsistance, tu vas seulement l'avoir quand Allah subhanahu wa ta'ala te l'a écrit et comme Allah subhanahu wa ta'ala te l'a prédestiné. Et quand il explique et il mentionne la parole de Omar le jour de Al-Hudaybiyah, quand il y a eu l'entente avec les mushrikines, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a signé l'entente avec eux,
Il dit, Omar ibn al-Khattab, j'ai fait des choses hein, pour ça. Donc on va voir qu'est-ce qu'il a fait dans les explications, qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan il va clarifier à ce sujet-là. Donc Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il dit, inna min al-yaqin, al-yaqin ضد الشك, أي إذا تعرض إرضاء الله سبحانه وتعالى وإرضاء المخلوق, فالواجب على المسلم أن يقدم رضا الله حتى وإن سخط عليه الناس, فإنك إن فعلت فإنك إن فعلت رضي الله عنك وأرضى عباده عنك, وإن أسخطته سخط الله عليك وأسخط العباد عليك. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique que de la certitude il y a le fait que yani, comme on l'a mentionné, que tu sois satisfait, tu n'essaies pas de satisfaire quiconque dans ce qui amène la colère d'Allah. Et il dit que al-yaqin c'est le contraire du doute. La certitude, c'est la conviction. Hein, al-yaqin. Et il dit, lorsqu'il y a une contradiction ou une opposition entre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et la satisfaction des créatures, l'obligation pour le musulman, c'est de donner précédence à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si ça amène que les gens par la suite vont être en colère avec toi. Il dit parce que, qu'est-ce qui est obligatoire? C'est toujours de donner précédence à l'agrément d'Allah sur l'agrément des créatures. Il dit, si tu agis ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que lui, il va être déjà satisfait de toi, et il va faire en sorte que les créatures soient satisfaites de toi également par la suite. Tandis que si tu mets Allah subhanahu wa ta'ala en colère pour faire plaisir aux créatures ou pour qu'ils soient satisfaits de toi, eh bien déjà Allah subhanahu wa ta'ala va être en colère contre toi et il va mettre les serviteurs en colère contre toi par la suite. Et il mentionne un hadith, il dit يعني وفي الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه ومن التمس رضا الناس بسخط الله يعني سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا الحديث كتبت به عائشة رضي الله عنها إلى معاوية لما طلب منها النصيحة وعندما تولى أمر المسلمين وهو منهج يسير عليه الحاكم في مراقبة الله عز وجل ولا يراقب الناس فيتبع ما يرضي الله عز وجل عن ما سواه فيتبع ما يرضى الله عز وجل عنه سواء رضي الناس أو سخطوا. Donc ici le cheikh il mentionne un hadith, il dit que celui qui cherche l'agrément d'Allah dans ce qui met les hommes en colère, Allah va être satisfait de lui et les hommes seront satisfaits de lui par la suite. Il dit mais celui qui cherche de satisfaire les hommes dans ce qui amène la colère d'Allah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va être en colère contre lui et il va mettre les hommes en colère contre lui par la suite. Et ça c'est rapporté par Ibn Hibban dans son sahih, selon Aïcha radiallahu anha. Et donc, ça veut dire quoi? Yani, ça veut dire que tu peux pas plaire à tout le monde, de toute façon. Il y a des gens qui veulent toujours plaire à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Surtout si tu veux être un vrai musulman. Et en général, c'est comme ça. Surtout dans la da'wah. Il y a des gens quand ils font la prêche ou qu'ils appellent les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, ils essaient de faire en sorte que les gens l'aiment et que les gens soient contents de lui, satisfaits de lui. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas dire la vérité pour ne pas déplaire à certaines personnes. Il veut faire plaisir à tout le monde en même temps. Et ça, ce n'est pas possible. Hein? Il faut que tu dises la vérité et que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi, même si ça va mettre des gens en colère contre toi. Donc tu vas dire, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Qu'est-ce que les ulama de l'islam ont dit, les sahaba et ceux qui les ont suivis? Et c'est sûr que ça va mettre des gens en colère. Ça va mettre des gens de bid'a en colère. Ça va mettre des hizbiyins en colère. Ça va mettre plein de gens en colère contre toi. Mais si tu cherches l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça le plus important.
Et ce hadith, le Cheikh Al-Fawzan, il dit que c'est un hadith que Aïcha radiallahu anha avait écrit à Muawiyah radiallahu anhu lorsque il est devenu le responsable des musulmans, celui qui est le dirigeant sur eux, lorsqu'il est devenu khalifa. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Il a demandé conseil. Comme c'est l'habitude des dirigeants lorsqu'ils prennent le pouvoir, ils demandent conseil. Et Aïcha radiallahu anha, c'est la mère des croyants et c'est une des grandes savantes de l'islam. Et donc, elle lui a donné comme conseil ce hadith. Et ce hadith, donc, c'est un merveilleux conseil, en particulier pour celui qui a une responsabilité sur les musulmans. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une voie que le dirigeant doit suivre, de chercher à rester conscient que Allah subhanahu wa ta'ala le surveille et que c'est lui qui le juge, c'est lui qui le regarde. Et de ne pas s'occuper uniquement ou de s'attarder uniquement à ce que les gens font, c'est-à-dire le fait que les gens le regardent ou le surveillent. Parce que c'est sûr que les gens te surveillent, mais il faut toujours que tu te rappelles que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des gens et que Allah subhanahu wa ta'ala te surveille par-dessus eux. Et donc suis ce qui va amener l'agrément d'Allah, peu importe que ça rend les gens satisfaits ou qu'ils soient en colère. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et il dit que ça, c'est la base sur laquelle le dirigeant musulman doit se tenir. Et de même que le reste des musulmans en général, dans toute chose. Et donc le musulman, il doit faire tout son effort, tout l'effort qu'il peut pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala, même si ça déplaît aux gens. Il dit « هذا المنهج هو الأصل الذي يسير عليه الوالي المسلم وغيره من عامة الناس فعلى المسلم أن يكون حريصا على رضا الله عز وجل في أقواله وأفعاله ولا يتملق الناس ويمدحهم بما ليس فيهم من أجل إرضائهم ونيل إعطائهم حتى ونيل عطائهم حتى وإن كان يسخط الله عز وجل. Donc ça aussi c'est une autre chose que le cheikh il a mentionné. Il dit que le musulman il doit faire attention et essayer de faire tout l'effort possible pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il soit satisfait de lui dans ses paroles et dans ses actions. Et il ne doit pas essayer de glorifier les gens ou de les amadouer en leur faisant des compliments pour essayer de faire en sorte qu'ils soient satisfaits de lui et pour obtenir quelque chose de lui, même si ça met les gens en colère, même si ça met Allah subhanahu wa ta'ala en colère contre lui. Parce qu'il y a des gens comme ça, quand ils veulent quelque chose de toi, ils vont commencer à te faire des éloges, des compliments et te dire des paroles mielleuses. Pourquoi? Pour obtenir quelque chose ou bien pour t'amadouer. Et puis même parfois ils vont dire des choses qui ne sont même pas en toi-même, c'est-à-dire ils te donnent des qualités que tu ne possèdes même pas. Pourquoi? Pour t'élever, pour te glorifier, pour que tu deviennes satisfait d'eux. Puis parfois c'est des gens qui ont des intentions derrière la tête, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'ils recherchent, ces gens-là. Donc il faut toujours faire attention à ça, surtout si ça amène à quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Il dit « وَهُنَاكَ بَعْضُ النَّاسِ لَا يَهُمُّهُمْ إِلَّا إِرْضَاءَ النَّاسِ وَلَا يَهُمُّهُمْ إِنْ كَانَ مَا يَقُومُونَ بِهِ يُسْخِطِ اللَّهِ أَمْ لَا فَيَعْمَلُونَ بِمَا يُرْضِي النَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَحْصِلُوا عَلَى حَاجَتِهِمْ وَكَسْبِ وُدِّهِمْ وَنَسِيَ هَؤُلَاءِ أَنَّ الْقُلُوبَ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يقلبها كيف يشاء وأن الله سيغر عليك هذه القلوب التي أرضيتها بسخطه وهذا أمر يحتاج إلى صبر وتيقن بأن النافع والضار هو الله وأن العباد جميعا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وهذا منهج واضح سليم. Donc le cheikh il explique qu'il y a des gens, leur seul intérêt c'est d'essayer de satisfaire les gens. Il n'y a rien qui leur importe excepté de chercher à satisfaire les gens, même si
yani, ça dérange, même si ça va mettre Allah en colère contre eux. Donc que ça mette en colère Allah ou non, ça les intéresse pas, ou ça les importe, ça leur importe peu. Qu'est-ce qui est important pour eux, c'est de satisfaire les gens. Et il dit que yani, la raison pour laquelle ils font ça, c'est parce qu'ils veulent obtenir quelque chose des gens et obtenir leur affection, leur amour. Ils ont oublié que les cœurs des serviteurs sont entre les mains d'Allah et que Allah subhanahu wa ta'ala, il tourne ses cœurs comme il veut. Il peut les tourner comme il veut. Et il va faire que ces cœurs que tu as cherché à rendre satisfaits de toi dans ce qui amène la colère d'Allah, il va les mettre contre toi. C'est-à-dire qu'il va tourner ses cœurs pour qu'ils deviennent contre toi. Parce que tu essaies de les satisfaire dans ce qui amène la colère d'Allah. Il dit que ça c'est quelque chose, hein, il faut que la personne elle soit patiente et qu'elle ait la conviction que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le seul qui peut profiter et qui peut nuire. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seul qui a la capacité de profiter à quelqu'un ou de lui nuire. Tandis que tous les serviteurs et tous les êtres humains, aucun d'entre eux n'a le pouvoir ou ne détient la capacité de profiter ou de nuire par lui-même. Et il dit donc que ça c'est une voie qui est claire et qui est saine, qui est propre. Hein, il dit, c'est-à-dire أن تجعل الله دائما بين عينيك فإذا عرض عليك أمر فانظر فيه فإذا كان مما يرضي الله فافعله ولو سخط الناس عليك إذ إنهم سيرضون عنك فيما بعد وإن كان فيه سخط الله وإرضاء الناس فتجنبه وهذا لا يكون إلا ممن خلا قلبه من الريب والشك. Donc le cheikh il dit que tu dois toujours essayer de faire en sorte de garder Allah subhanahu wa ta'ala devant tes yeux, c'est-à-dire dans le sens que tu restes toujours conscient que yani, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui compte le plus et que personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut te profiter ou te nuire. Donc s'il t'arrive quelque chose, regarde dans cette chose. Si cette chose va satisfaire Allah, fais-le, même si les gens vont être fâchés contre toi. Ton père va être fâché, ta mère va être fâchée contre toi, ta famille va être fâchée contre toi, tes proches vont être fâchés contre toi, hein, tes amis vont être fâchés contre toi. Peu importe qui va être fâché contre toi, les koufars vont être fâchés contre toi. Et c'est pas grave. Tu regardes ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala va être satisfait contre toi, fais-le, même s'ils seront fâchés, même si les autres seront fâchés. Et si tu vois que les hommes, toute la terre entière vont être satisfaits de toi si tu le fais, hein, bien fais-le pas. Si ça amène la colère d'Allah, parce que tôt ou tard il va faire en sorte que cet agrément des gens se retourne contre toi comme une colère aussi. Hein, si tu vois que ça met Allah en colère, que ça satisfait les gens, écarte-toi de ça. Hein, et dit la personne qui arrive à comprendre ça, cette réalité-là, c'est seulement la personne dont le cœur a été vidé du doute, hein, à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, à propos du fait que c'est lui seul qui peut nuire et qui peut profiter. Sinon, des gens, il y a beaucoup de gens qui ont difficulté à accepter ça. Et de façon générale, dans la vie, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent arriver à des gens. Et s'ils ne font pas attention, ils ne réalisent pas ces choses-là. Il y a des gens, parfois, même dans la façon de t'habiller, la façon d'être, hein, d'agir avec les gens. Il y en a par exemple, ils veulent plaire à tout le monde, ils veulent s'habiller d'une manière, tout le monde va être content de eux dans la rue. Des garçons ou des filles, ils veulent s'habiller à la mode des koufars. Comment les chanteurs, comment ils s'habillent, comment ils mettent leurs cheveux, comment ils portent leurs vêtements, ils veulent s'habiller comme eux pour être populaires, pour que les amis à l'école ou les gens dans le quartier vont les voir et vont dire « Ah !» C'est bien, tu as l'air vraiment cool, habillé comme ça.
Les filles, elles veulent porter les vêtements à la mode comme les vedettes, les chanteuses, les choses comme ça. Ils veulent ressembler à ces gens-là. Et comme ça, les autres vont dire, « Oh, vraiment, elle est bien, hein, elle s'habille cool, elle s'habille comme les autres, elle est à la mode. » Mais elle ne réalise pas qu'en s'habillant de cette façon-là, elle amène la colère d'Allah sur elle. Allah n'est pas satisfait de cette façon de s'habiller. Et la même chose pour le musulman, le garçon qui essaie de s'habiller comme celui qui fait des péchés ou qui désobéit à Allah et qui délaisse, hein, l'exemple des musulmans, comment les musulmans s'habillent. Donc tout ça, c'est des exemples simples, mais c'est des exemples concrets, des exemples réels, des choses qu'on peut constater. Donc si tu vas commencer à porter les vêtements comment les musulmans s'habillent depuis des siècles, tu commences à suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu laisses pousser ta barbe, les gens ils te regardent, mais qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Pourquoi tu t'habilles pas comme tout le monde? Et la fille qui commence à porter son djilbab, elle commence à se voiler islamiquement, et que les anges ont dit, mais pourquoi tu t'habilles comme ça, t'es jeune, hein, profite de la vie, pourquoi tu veux te voiler comme ça, tu veux cacher, hein, ce que tu as comme forme et des choses comme ça. Non, il faut que, hein, tu fasses plaisir aux gens, que les gens soient satisfaits de toi quand ils te regardent. Qu'est-ce qui est plus important, que les gens soient satisfaits de toi ou que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi? Bien sûr que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui doit être satisfait de toi et non les êtres humains. Les créatures sont tous, hein, sont tous, yani, comme on dit, il n'y en a aucune d'entre elles qui sont éternelles. Elles vont tous mourir, comme toi. Donc si toi, ton but c'est de plaire aux créatures, sache que toutes ces créatures-là, elles sont toutes, hein, finies. C'est-à-dire, elles ont toutes une fin. Donc, réfléchis à qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour toi dans cette vie et qu'est-ce qui sera le plus bénéfique pour toi dans ton au-delà. Quand tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, de qui tu vas être le plus content d'avoir cherché l'agrément? Et donc il dit ensuite le cheikh, wa qawluhu wa la tahmidu ahadan ala ma a'taka ala ma ataka Allah, ay la tahmidu an-nas ala ma ataka Allah, ولكن يعني احمد الله عز وجل وقل الحمد لله فهي اول لفظه في المصحف بعد البسمله اي ان جميع المحامد لله عز وجل فلا يستحق المحامد المطلقه الا الله لانه هو المنعم بجميع النعم اما المخلوق فانه يحمد على قدر صنيعه فقط فالحمد المطلق لا ينبغي إلا لله عز وجل. Le cheikh il dit que ne glorifie personne dans ce que Allah t'a donné. C'est-à-dire que tu ne dois pas glorifier les gens de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, mais remercie plutôt Allah et sois, hein, mentionne les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala et dis la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le premier mot qui est mentionné dans le mushaf quand tu ouvres le Coran. Le premier mot qui est mentionné après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est Alhamdulillah. Hein? C'est-à-dire que toutes les glorifications et les louanges, hein, et les remerciements, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne mérite la louange et le remerciement, hein, la louange, le remerciement de façon absolue, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui donne la grâce, c'est lui qui donne les biens, c'est lui qui donne tout. Et les créatures, elles sont louées, ou on les glorifie, on leur fait la louange, ou on les remercie que selon ce qui correspond leur action, hein, et ce qu'ils ont fait de bien seulement. Tandis que la gloire et la louange absolue, ça c'est quelque chose qui n'appartient que à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa qawluhu wa la talumu ahadan ala ma lam ya'tik Allah. Ay innaka idha talabta shay'an min ahadin min an-nas wa lam yatahaqqaq fa'lam anna Allah lam yuqaddirhu lak fala talum an-nas fi 'adami tahqiqihi. Walau anna Allah qaddarahu lak lam yamna'ka minhu ahadun. كما قال جل وعلا
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. Donc le cheikh il explique que si Allah t'a pas donné quelque chose, ne blâme pas les gens, ne blâme pas les gens que tu l'as pas reçu. Il dit parce que lorsque tu demandes quelque chose à quelqu'un parmi les gens et que cette chose-là elle ne se réalise pas pour toi, sache que c'est Allah qui ne l'a pas prédestiné pour toi. Il ne l'avait pas prédestiné pour toi. Donc ne commence pas à blâmer les gens que cette chose-là ne se soit pas réalisée. Hein? Parce que si Allah l'avait prédestiné, il ne t'aurait pas empêché de l'obtenir cette chose. Et personne aurait pu t'empêcher de l'avoir. Et il mentionne le verset 2 dans Surat Fatir. Et il dit, ce que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas ou n'ouvre pas une miséricorde pour les gens. Ainsi, il donne une miséricorde pour les gens. Personne ne peut la retenir. Et ce qu'il retient, personne ne peut l'envoyer après lui. Donc, si Allah décide que tu vas l'avoir, personne ne peut l'empêcher. Si Allah décide que tu ne vas pas l'avoir, personne ne pourra te la faire obtenir. Donc, mets ta confiance en Allah. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu n'as pas reçu, eh bien, tu ne peux pas blâmer les gens. Blâme pas les gens. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ne l'a pas prédestiné pour toi. Il dit, وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبْنِ عَبَّاسِ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Donc le cheikh il mentionne ce hadith qui est très célèbre rapporté par Abdullah ibn Abbas, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, sache que même si toute la umma, toute la nation, elle se mettait ensemble pour te faire un bien quelconque, te faire profiter d'un bien quelconque, il ne pourrait te faire profiter de ce bien que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour toi. Et s'ils se réunissaient pour essayer de te faire un tort quelconque, ils ne pourraient te faire que de tort que ce que Allah a écrit pour toi. Donc le cheikh il dit fal umur biyadillah subhanahu wa ta'ala. Donc les choses sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa huwa alladhi yuhmad fi kulli hal fi as-sara'i wad-dara' li'an ad-dara' qad tahmilu al-khayr wa in kana zahiruha sharr. فلربما يكون الخير في عاقبتها ولهذا جاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Donc le cheikh il explique que, et ça c'est très important, il dit que yani, Allah subhanahu wa ta'ala il faut toujours le glorifier dans toutes les situations, dans les choses heureuses et dans les choses mauvaises, dans les choses qui sont heureuses dans le sens que des choses qui te rendent heureux et des choses qui te font du tort ou qui ont l'air en apparence comme si elles sont mauvaises. Il dit que c'est possible que il y a du mal qui t'arrive puis qu'il y a un bien dedans. C'est possible qu'il y a un mal qui t'arrive puis dans ce mal il y a du bien. C'est mal en apparence, mais tu sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir de bien dedans. Peut-être qu'à la fin il y a un bien qui va découler de ce mal apparent. Et il dit dans le hadith justement qui est rapporté par il mentionne ici que c'est un hadith rapporté par Muslim, également par l'imam Ahmad selon Suhayb. Il dit, عجباً لأمر المؤمن. Il dit, l'affaire du musulman, elle est étonnante. C'est quelque chose qui est étonnant. Parce que toute l'affaire du musulman, peu importe qu'est-ce qui lui arrive, c'est toujours bien. Et ça, c'est pour personne d'autre que pour le croyant seulement. Il dit, s'il y a un mal qui lui arrive,
il est reconnaissant, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un bien pour lui. Et si un mal le touche, il est patient. Eh bien, ça c'est un bien pour lui aussi. Donc, dans toutes les situations, il y a toujours du bien pour le musulman. Que ce soit quelque chose de bien ou que ce soit quelque chose de mal. Hein? Parce qu'il est reconnaissant et patient. Il dit, فَهُوَ رَادٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ سَوَاءَ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَوْ أَصَابَهُ شَرٌ فَلَا يَسْخَطْ وَلَا يَجْزَعْ وَفِي الْحَدِيثِ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٍ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَأَرْجِعَ الْأَمْرَ إِلَى اللَّهِ وَلَا تَرْجِعْهُ إِلَى النَّاسِ بِأَنْ تَلُومَهُمْ وَلَكِنْ عَلِّقْ قَلْبَكَ بِاللَّهِ فَهَذَا هُوَ الْيَقِينُ. Donc le cheikh il continue l'explication, il dit: tu dois être satisfait d'Allah. Tu dois être satisfait d'Allah, peu importe qu'il t'arrive un bien ou un mal, et que tu ne te mets pas en colère contre Allah, hein, et tu ne commences pas à te plaindre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de qu'est-ce qui t'arrive. Il dit, si il t'arrive quelque chose, commence pas à dire, oh, si j'avais fait ça, ou si j'avais pas fait ça, il y aurait eu telle chose ou telle chose. Si j'avais fait ça, il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas eu ça, non. Mais plutôt, dis à la place, قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a prédestiné. Et il a fait ce qu'il a voulu. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Et ça, c'est rapporté par l'imam muslim selon Abi Huraira, radiyallahu anhu. Donc, quand tu vois par exemple quelque chose qui arrive chez les kuffars, des gens qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, chez les juifs, les chrétiens ou autres, les athées, il arrive un malheur, un accident, quelque chose, ils commencent toujours à se plaindre, hein, et ils commencent à accuser toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir. Ils accusent le temps, ils accusent la température, ils accusent la pluie, ils accusent la circulation, ils accusent la personne qui n'a pas fait attention. Ils accusent plein de choses et ils ne réalisent pas que, peu importe, ça devait se produire parce que Allah l'a prédestiné. Tandis que le mu'min, le croyant, lui, il est en paix dans son cœur dans cette situation-là. Hein? Il est en paix dans son cœur dans cette situation-là. Si par exemple quelqu'un est mort de sa famille, il ne va pas commencer à se blâmer, à avoir plein de remords, puis à dire, ah, oh, mais ça c'est de ma faute. Hein? On a entendu souvent des histoires comme ça. Des histoires comme ça, des gens qui blâment quelqu'un par rapport à la mort de quelqu'un d'autre, alors qu'il n'a rien, il n'a rien fait dans ça. C'était un accident. Il n'a pas fait exprès. Mais la personne, elle s'en veut comme ça, elle se sent coupable, puis elle commence peut-être même, à la fin, elle va penser peut-être même à se suicider à cause de ça. Tandis que le mot, mais non, quelque chose qui est arrivé comme ça, et c'était prédestiné, il a fait un accident, c'est pas volontaire, donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, c'est Allah qui a prédestiné, et il fait ce qu'il veut. Et il renvoie l'affaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne renvoie pas le blâme aux gens. Commencez à blâmer les gens. Il accroche son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la certitude. C'est ça l'yaqin. Il dit, وَقَوْلُهُ وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى بِعِلْمِهِ وَقِسْطِهِ جَعَلَ الرَّوْحِ وَالْفَرَحِ فِي الْيَقِينِ. أي إن الله تعالى بقسطه وعدله جعل الروح أي الراحة والفرح في اليقين. فالمستيقن مرتاح في الدنيا في دنياه ولا يجزع ولا يسخط فإن أصابه خير شكر الله وإن أصابه غير ذلك صبر عليه لأنه يعلم أنه في كلا الحالين مأجور. Donc le cheikh il explique que Allah, dans la parole d'Abdullah ibn Mas'ud, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa science et par sa justice, il a fait que le repos et la
joie, soit dans la certitude. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa justice et par sa justice, il a fait que ar-rawh, c'est le repos, ar-raha, le fait d'être en repos et calme, hein, et al-farah, c'est-à-dire la joie, le bonheur, soit dans la certitude. Ça veut dire que la personne qui est convaincue d'Allah et certaine dans sa foi en Allah, elle est en paix dans son cœur, dans la vie d'ici-bas, dans toutes les affaires. Elle ne va pas commencer à se plaindre, elle ne va pas commencer à se mettre en colère contre la prédestination ou des choses comme ça. S'il lui arrive un bien, elle remercie Allah, subhanahu wa ta'ala. S'il lui arrive un mal, hein, eh bien, elle fait preuve de patience et d'endurance parce qu'elle sait que dans les deux cas, elle est récompensée. Dans les deux cas, elle sera récompensée de qu'est-ce qui est arrivé par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le bien ou dans le mal, elle est récompensée dans le bien parce qu'elle est reconnaissante, et elle est récompensée dans le mal parce qu'elle est patiente. Naam. Et le cheikh il dit « Wa amma alladhi 'indahu shak » فهذا إن أصابه خير أو نعمة بطر وتكبر وإن أصابه ضرر جزع وسخط يعني سخط على الله وهذا نتيجة الشك والريب في القلوب. نعم الشيخ dit tandis que la personne qui a des doutes dans sa foi à propos d'Allah, eh bien, quand il y a un bien qui lui arrive ou une grâce quelconque, elle devient fière, elle se remplit d'orgueil, elle dit ça c'est moi qui a fait ça, c'est grâce à mon intelligence et ma force, hein, j'ai réussi à faire ça moi-même tout seul, personne m'a aidé, elle devient fière. Et s'il y a un mal qui la touche, elle commence à se plaindre, à se mettre en colère contre Allah, à blâmer la prédestination, à blâmer Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billah. Et donc ça c'est le résultat du doute de la personne qu'elle a dans son cœur. Wa qawluhu wa ja'ala al-hamma wal-huzn yani fi ash-shakki was-sakhat. Al-ham ma yusibu al-insan min kadar wa qalaq wa huzn wa tanaddum bi sabab hadha ash-shakk. Amma al-insan al-mutayaqqan fa al-mutayaqqin فهذا لا يصيبه هم ولا حزن وهو يعلم أنه عبد لله وأن ما قدره الله سيجري عليه مهما فعل وتحصن فلذلك لا يرتاب ولا يتزعزع قلبه مع الأحداث فهو ثابت القلب أما الشاك والمرتاب فقلبه متزعزع. Donc le cheikh il dit que il a fait que la colère et le doute soient la personne qui a des soucis, des tracas, de l'anxiété, de la tristesse, c'est à cause du doute, c'est à cause de la colère qu'elle a en elle-même. Et il dit que al-ham, ça veut dire qu'est-ce que l'homme subit lorsqu'il a de l'anxiété, de la tristesse, des troubles, ou bien du remords à cause des doutes qu'il a. Et il dit que tandis que l'homme qui est certain, qui a la certitude, qui a la conviction, il n'est pas touché par ce genre d'anxiété, de troubles intérieurs ou de tristesse. Il sait qu'il est un serviteur d'Allah et il sait que tout ce que Allah a prédestiné va se produire, peu importe ce qu'il fait. Peu importe le fait qu'il essaie de se protéger ou de se préserver ou de prendre des précautions, hein, tu peux prendre toutes les précautions du monde. Si quelque chose doit se produire, ça va se produire. Tu peux rien faire pour ça, parce que c'est le qadar. Hein, c'est le qadar. فَلِذَلِكَ لَا يَرْتَابُ وَلَا يَتَزَعْزَعْ قَلْبُهُ. Le croyant, il ne va pas être dans le doute. Et puis il ne va pas être, avoir des troubles dans son cœur à cause des événements qui se produisent. Son cœur est ferme. Hein? Tandis que la personne qui doute, la personne qui a des doutes, son cœur est toujours troublé. Il y a toujours des problèmes dans son cœur.
à cause des événements qui se produisent. Et il dit, وقوله, وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كريهة كاره. وهذا مثل ما ذكر في بداية الأثر. فإن الله إذا قدر لعبده رزقا فإنه سيستطيع أحد فإنه لن يستطيع أحد أن يمنعه رزقه. وإن سعى في ذلك الساعون واستخدموا سلطاتهم فإنهم لن يجدوا إلى ذلك سبيلا. يقول الله تعالى واصفا كيد أعدائه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فهم في الدنيا يتمنون الضرر على المسلمين ولكنهم لا ينالون مرادهم فيتحسرون والعياذ بالله. Donc le cheikh il explique que comme c'est mentionné dans la parole de Abdullah ibn Mas'ud que la subsistance d'Allah elle ne peut pas être ramenée plus vite par la personne à cause du désir de la personne ou bien l'effort de la personne, et elle ne peut pas être repoussée parce que quelqu'un ça lui déplaît que tu obtiennes cette subsistance là donc il dit, comme on l'a mentionné au tout début de cette narration de Abdullah ibn Mas'ud, tout est selon ce que Allah a prédestiné. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour une créature une subsistance quelconque, de l'argent ou autre, alors personne ne sera capable de lui empêcher cette subsistance et cet argent. Il dit, même si la personne fait tous les efforts du monde et il utilise tous les moyens, toute l'autorité qu'elle possède pour essayer de la prendre, elle ne sera jamais capable de le prendre. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide dans ces choses-là. Et il mentionne qu'est-ce que Allah dit dans le verset 5 dans Surat Al-Baqarah à propos des ruses des ennemis, des complots des ennemis. Il dit: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. C'est-à-dire, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, ainsi que les mushrikins, ne souhaiteraient jamais qu'un bien quelconque descende sur vous de votre Seigneur. C'est-à-dire, les kuffars, juifs et chrétiens, les mushrikins, ceux qui adorent d'autres avec Allah, ils ne voudraient pas qu'il y ait un bien qui tombe sur les musulmans, que du mal. Et quand il y a un bien qui arrive aux musulmans, ça les met en colère, ça les dérange. Et quand il y a un mal qui tombe sur les musulmans, ils sont contents. C'est ça la réalité. C'est pour ça que quand tu allumes les nouvelles, tu entends que des mauvaises nouvelles à propos des musulmans. Parce que quand il y a des bonnes nouvelles, ça les dérange, ils n'aiment pas ça. Donc ils mettent que les mauvaises nouvelles. Si c'est des bonnes nouvelles, comme tu dis, ils n'en parlent pas, Allah al-Musta'an. Et donc, Allah, il a dit dans le verset 105, dans Surat al-Baqarah. Donc, ils ne veulent pas entendre des bonnes nouvelles pour les croyants. Et il dit donc, s'il y a quelque chose dans la vie d'ici-bas, c'est qu'eux, ils souhaitent uniquement qu'il y ait un mal qui tombe sur les musulmans. Mais le cheikh, il explique que ce qu'ils veulent, ils ne vont pas l'obtenir. Ce qu'ils souhaitent, ils ne vont pas l'obtenir. Et c'est pour ça qu'ils sont... enragés à cause de ça. Ils sont déçus, qu'il y a du bien qui arrive aux musulmans. Quand il y a du bien qui arrive aux musulmans, ils sont déçus de ça. Et il explique, il dit, لأن الحاسد يظل في هم وضيق وقلق وخصوصا إذا رأى نعم الله على عباده ويتمنى أن تزول عنهم النعمة ولن يجدي إلى ذلك سبيلا فهو يرى النعم على الناس فيزداد حقدا وغيظا وشكا بالله عز وجل واتهاما للقضاء والقدر فيود منع الخير عن الناس من شدة الحسد.
Ça c'est une grave maladie. Hein? Le cheikh il dit que la personne qui est jalouse, elle a toujours de l'anxiété, des troubles intérieurs. Elle est toujours serrée dans sa poitrine, dans son cœur. En particulier quand elle voit les grâces d'Allah sur ses serviteurs, elle souhaite que cette grâce lui soit enlevée. Mais le cheikh dit qu'ils réussiront jamais à faire empêcher la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de toucher qui Allah a voulu que cette grâce-là atteigne. Parce qu'il dit que eux, quand ils voient une grâce sur les gens, ça augmente leur haine, leur animosité, leur rancœur et leur doute en Allah. Et leur accusation du décret de la prédestination d'Allah. Donc eux, ils souhaiteraient pouvoir empêcher le bien aux gens à cause de la gravité de leur jalousie. Et il dit wa qawl Umar radiyallahu anhu yawm al-Hudaybiyah. Et par rapport à qu'est-ce que le cheikh il mentionne par rapport au risque, juste un point aussi, qu'est-ce que j'aimerais mentionner. Il y a des gens, des fois, ils disent moi j'ai trouvé mon risque. Ici, tu vois, dis-moi, j'ai trouvé mon risque. C'est ici que j'ai trouvé mon risque. Ça me ferait parce qu'en fait, ton risque, tu vas le trouver là où tu vas. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il va te le donner là où tu vas. Mais ça ne veut pas dire que tu vas aller dans les endroits haram pour trouver ton risque. Puis tu dis, ah, j'ai trouvé mon risque ici. Sinon je vais mettre de l'argent dans les égouts. Je vais dire, va chercher ton argent dans les égouts. Tu vas descendre dans l'égout, tu vas être dans la saleté, puis tu vas dire, ah, mais j'ai trouvé mon risque ici. Hein? Est-ce que tu vas accepter d'aller même dans les égouts pour chercher ton risque? C'est à ce point-là que tu penses que tu vas chercher ton argent. Même dans les choses impures et sales, dans les choses mauvaises, ton risque, si tu vas dans les endroits que Allah aime, il va te donner ton risque. Si tu vas dans les endroits que Allah aime pas pour chercher ton risque, ça c'est une excuse. Hein? C'est une excuse. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Donc, hein, il aime le bien. Allah, il est bon et il n'aime que qu'est-ce qui est bon. Va pas dans qu'est-ce qui est mauvais puis tu vas dire j'ai trouvé mon risque. Sinon quoi, les gens qui font la mafia, qui font des crimes pour gagner de l'argent, eux, tu vas dire ça c'est leur risque. Le risque, s'il n'est pas pris dans le halal, c'est pas bon, c'est contre toi, c'est pas pour toi. Hein? Et donc si ceux qui vont quitter les pays musulmans, ils s'en vont dans les pays de Kufr pour vivre dans les pays non musulmans, pour chercher leur risque. Cherche ton risque dans les pays musulmans, Allah il va te le donner. Il n'y a pas plus de risque dans les pays de Kufr. Tu ne vas pas avoir ton risque, excepté ce qui a été écrit pour toi. Hein? C'est comme Abdullah ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il a dit? Hirs haris. Le fait que tu fais des efforts pour l'obtenir, tu t'en vas dans n'importe quoi. Ça, ce n'est pas correct. Après la parole de Omar ibn al-Khattab, on veut comprendre qu'est-ce que ça signifie, parce que la parole qui est mentionnée dans Sahih al-Bukhari, qu'il a mentionné le cheikh au début de cette citation, قول عمر رضي الله عنه يوم الحديبية فعملت لذلك أعمالا فعملت لذلك أعمالا. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh il dit قول عمر رضي الله عنه يوم الحديبية فعملت لذلك أعمالا. يعني يوم الحديبية وهو الذي سماه الله فتحا قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا أي يعني صلح الحديبية حيث منع المشركين منع المشركون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أداء العمرة بعد أن نزلوا بالحديبية على حدود الحرم فليس بينهم وبين الحرم إلا مسافة يسيرة منعوهم من دخول الحرم منعوا الهدي الذي معهم من الوصول إلى الحرم أيضا فحدثت مفاوضات بين المسلمين والمشركين
ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان رضي الله عنه ثم أشيع أن عثمان قد قتل. وعندما طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه للبيعة على القتال قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وهذا جزاء عادل في الدنيا من الله وعنده من الجزاء في الجنة أعظم. Donc on va traduire cette partie, après on va continuer. Le cheikh il explique que la parole de Omar radiallahu anhu le jour de Al-Hudaybiyah, il dit j'ai fait des choses pour ça, j'ai fait de ce, pour ça des actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que le jour de Al-Hudaybiyah, c'est quel jour ça? C'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti pour aller faire une umrah à la Mecque. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est parti pour faire la umrah à la Mecque, les mouchriquins l'ont empêché d'y aller. Ok? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a écrit une entente avec eux. Il a fait une entente avec les mouchriquins. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé cette entente la victoire. La victoire éclatante. Et c'est dans le verset 1, dans Surat al-Fatih. Il dit, ce qui signifie, il dit, inna, premièrement le verset, inna fatahna laka fatham mubina. Nous t'avons fait donner une victoire pour toi, une victoire éclatante. C'est quoi cette victoire éclatante? C'est le pacte de Al-Hudaybiyah. L'entente de paix avec les mouchriquins, c'est ça qui est la victoire. Les gens pensent que la victoire dont il est mentionné dans ce verset, dans Surat Al-Fatih, le verset 1, les gens en général, ils pensent que Al-Fatih, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque. C'est pas de la conquête de la Mecque que le verset parle dans ce verset-là. Le verset parle de l'entente du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les mouchriquins le jour de Al-Hudaybiyah. Juste l'entente lui-même. Pourquoi? Parce que cette entente, elle a été une ouverture pour la da'wah. Pendant ces 10 années, ils ont signé une entente de paix de 10 ans. Plus de guerre entre les musulmans. Et ils doivent respecter des conditions, parce que sur l'entente de paix, il y avait des clauses. Et dans ces clauses, tu vois que c'est une clause qui était... c'est-à-dire les musulmans, dans cette entente de paix, ils étaient perdants. C'est-à-dire que les clauses qui sont mentionnées donne l'avantage aux kuffars sur les musulmans dedans. Ça disait par exemple que si un musulman quitte la Mecque pour aller à Médine, on doit le renvoyer à la Mecque. Mais que si un musulman quitte Médine pour aller à Mecca, il peut rester. C'est plus avantageux pour les mouchriquins que pour les musulmans cette entente. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté ces clauses-là. Et à la fin, ça a été à l'avantage des musulmans. Même que les mouchriquins sont venus eux-mêmes voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander de changer cette clause. Parce que ceux qui s'enfuyaient de la Mecque pour aller à Médine, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les renvoyait, eux, ils partaient, ils s'enfuyaient ailleurs. Et puis, ils attaquaient les caravanes. Alors, ils avaient des problèmes avec eux. Ils ont dit, bon, si c'est comme ça, dans ce cas-là, on enlève cette clause. Et là, maintenant, si quelqu'un revient de la Mecque, chez vous, vous pouvez le garder. En tout cas, ça c'est juste un exemple. Mais ça a été la porte ouverte pour la da'wah à l'islam. Ça veut dire que maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait commencer à appeler les gens à l'islam. Pendant 10 ans, le nombre des musulmans a tellement grandi que 10 ans plus tard, ils sont partis à la Mecque. Il n'y a même pas eu de combat. Ils ont pris la Mecque sans faire couler de sang. Parce qu'ils étaient devenus très forts. Et ça, c'était la victoire promise d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette victoire, c'était dans l'entente de Al-Hudaybiyah. C'est pour ça que beaucoup de musulmans aujourd'hui, en particulier les takfiriyin et les khawarij,
ils ne voient pas le bien dans lequel on est actuellement, à notre époque. Qu'on vit dans une période, même si les musulmans sont dans une position, une situation de faiblesse, toutes les portes pour la da'wah sont ouvertes dans les pays non musulmans. C'est-à-dire que les musulmans peuvent aller où ils veulent et commencer à enseigner l'islam, prêcher l'islam, appeler au tawhid, appeler à l'unicité d'Allah et réfuter le shirk et les mushrikin. Et le nombre des musulmans qui commencent à augmenter. Eux, ils ne voient pas le bien qu'il y a là-dedans. Malheureusement, ces gens-là sont tellement bêtes, au lieu de profiter de cette ouverture de la da'wah, ils font quoi à la place? Des attentats terroristes, de la destruction. Ce qui fait que les portes de la da'wah par la suite sont de plus en plus serrées, de plus en plus fermées. Donc ces gens-là, ils ne connaissent pas l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne connaissent pas la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne connaissent pas la signification du verset « Inna fatahna laka fatham mubina ». Parce que s'ils savaient la signification, ils n'allaient pas agir comme ils agissent aujourd'hui. Hein? Le cheikh, il dit donc « Hey, sulh al-hudaybiyya ». « Inna fatahna laka fatham mubina ». Cette victoire éclatante, c'est quoi? C'est l'entente de al-hudaybiyya. « Haythu mana'a al-mushrikoun al-rasoula sallallahu alayhi wa sallam ». Donc, les mushrikoun ont empêché le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, d'aller faire la Umrah. Après qu'ils sont arrivés à Al-Hudaybiyah, c'est-à-dire les limites de la Mecque, les limites du Haram, de la partie qui, l'endroit ou la limite de qu'est-ce qui est la terre sacrée. Hein? Donc ils étaient presque arrivés à Mecque. Ils ont quitté Médine, ils sont arrivés presque proches de Mecque, et arrivés là-bas, les mushrikoun les ont empêchés de rentrer. Alors qu'ils avaient leur habit d'ihram, ils avaient les animaux pour sacrifier, pour le sacrifice, hein, et ainsi de suite. Donc, ils sont arrivés très proche de la Mecque, et là, à ce moment-là, juste quand ils allaient rentrer dans le haram, ils les ont empêchés de rentrer, et ils ont empêché aussi de laisser passer les offrandes qu'ils avaient amenées pour la Mecque. Alors, il y a eu des négociations entre les musulmans et les mushrikins, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Uthman ibn Affan d'entrer à la Mecque pour aller négocier avec Quraysh pour leur demander de les laisser passer. Puis par la suite, pendant qu'il était parti, il y a eu la rumeur que Uthman avait été tué. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cette rumeur, il a demandé aux compagnons de faire le serment d'allégeance pour combattre les mushrikins. Et ça, c'est mentionné dans le verset 18 et 19 dans Surat Al-Fatih, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cette situation-là. Et on va lire la traduction de qu'est-ce que ça signifie. Ok. Le verset, c'est, on a dit, c'était quoi? 18, 19. D'accord. Ça dit, le verset 18, 19, qui signifie, Allah a très certainement agréé les croyants quand ils ont prêté, ou quand ils t'ont prêté, le serment d'allégeance, la bay'a, sous l'arbre. Il y avait un arbre à l'endroit qu'on appelle Al-Hudaybiyah, il y avait un arbre que Omar ibn al-Khattab plus tard a coupé, pour éviter que les musulmans fassent du shirk à cet endroit-là. Parce que les gens, ils ont tendance à vouloir toujours vénérer des objets ou des endroits ou des lieux où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quelque chose. Donc, ils ont donné l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous cet arbre, et il a su ce qu'il... Allah subhanahu wa ta'ala a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude et les a récompensés par une victoire proche, ainsi qu'un abondant butin qu'ils ramasseront. Hein? Allah est puissant et sage. Donc ça, c'est pour dire que, yani, ils ont donné l'allégeance au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils étaient prêts à combattre Quraysh maintenant. Et donc le cheikh, il dit que ça, c'est une récompense, une rétribution juste dans la dunya de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce que Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner comme récompense dans l'au-delà, dans le paradis, c'est plus grand encore. Il dit: wa laqad kana hadha al-jaza'
لما صدقوا مع الله أو لما صدقوا مع الله وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت والجهاد، ولما رأى المشركون أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مصممون على أحد أمرين، إما العمرة وإما القتال، أرسلوا رسولا ليتفاوضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلح. فتم الصلح، فصار هذا الصلح فتحا، سماه الله عز وجل فتحا، وتبين لعمر أنه المخطئ في تصلبه أمام هذا العقد حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: على ما نعطي الدنية في ديننا؟ وهو لم يفعل هذا شاكا ولا ريبا، ولكنه فعله عن قوة، فهو من قوته لا يريد أن يعطي الكفار شيئا أبدا، ولكن الحكمة تقتضي بعد المواقف، في بعض المواقف أن يتنازل المسلمون مؤقتا من أجل مصلحة مستقبلية. Donc le cheikh il explique que ça c'est une récompense qui est venue parce que les croyants, eux, ont été sincères avec Allah. Ils ont donné l'allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur la mort et la lutte dans le sentier d'Allah, le jihad. C'est-à-dire ils ont donné au prophète, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'allégeance qu'ils allaient mourir et qu'ils allaient combattre jusqu'à la fin. Hein? Et lorsque les mouchrikoun ont vu que le messager sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba étaient déterminés à une des deux choses, soit d'aller faire la umrah ou de combattre, ils ont envoyé un messager pour négocier avec le messager sallallahu alayhi wa sallam une entente de paix. Et cette entente de paix a été signée et Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelée la victoire éclatante. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il n'était pas content de cette entente de paix. Il disait, pourquoi on donne, pourquoi, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, l'entente de paix de Al-Hudaybiyah, elle n'était pas avantageuse pour les musulmans. Elle était plus avantageuse en apparence pour les mouchriquins, pour les kuffars. Alors, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il dit, mais pourquoi on prend le yani, on a une... C'est-à-dire, pourquoi on laisse les autres avoir le dessus sur nous, hein, et que nous, on reste en bas dans notre religion. Donc, le cheikh, il explique, il dit que quand il a dit ça au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit ça par doute, mais c'est parce qu'il voyait que les musulmans étaient forts. Hein, il considérait que les musulmans, à ce moment-là, étaient assez forts, et il ne voulait rien donner aux kuffars. Et le cheikh, il explique, il dit, mais parfois la sagesse implique que dans certaines situations, les musulmans fassent certains compromis temporairement pour un bienfait qui va venir dans l'avenir, qui va être plus grand. Et tu vois que, par exemple, quand il est allé voir le prophète, il a dit, « Ala ma nu'tid daniya fi dinina ya Rasulallah. » Et le prophète lui a dit, Inni Rasulullah wa lastu a'si. C'est-à-dire, je suis le messager d'Allah et je ne lui désobéis pas. Et il est allé voir Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, il lui a demandé la même chose. Pourquoi on ne combat pas? Pourquoi on est en train d'accepter cette entente de paix avec les mouchriquins? Et Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu lui a répété la même chose. Il est le messager d'Allah et il ne lui désobéit pas. Alors Omar, il a commencé à réfléchir, hein, et il a compris par la suite. Il a compris le bienfait qu'il y avait là-dedans. Mais sur le coup, il n'avait pas compris. Hein, mais Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, il avait compris tout de suite la sagesse. Hein? Subhanallah. Donc des fois, il y a un bienfait dans le fait de faire un compromis, d'accepter certaines conditions, même si elles ne sont pas favorables, mais qu'il y a un bienfait à long terme pour les musulmans. Mais il y a des gens qui sont trop superficiels ou bien qui voient juste les choses
hein, en apparence sur le dessus, comme on dit, ils sont pas capables de voir plus loin que le bout de leur nez. Et ils comprennent pas la sagesse qu'il y a dans la patience et dans hein, le fait d'accepter certains de ces compromis-là parfois. Oui, c'est ça qu'on voit, les gens sont pressés, ils veulent tout de suite que les choses soient bonnes, parfaites, 100%. Et ça me fait penser à l'époque quand Cheikh Ibn Baz il avait dit oui, on peut signer l'entente de paix entre les musulmans et la Palestine, en Palestine. On peut signer l'entente de paix avec les juifs pour la Palestine. Et Qardawi qui a dit non, on n'a pas à accepter l'entente de paix, il faut avoir tout ou rien. Et Cheikh Ibn Baz il lui a répondu, il a dit: toi, si quelqu'un vient chez toi, il prend ta maison. Il prend ta maison. Puis après, il accepte que tu prennes la moitié. Est-ce que tu vas rester dehors avec ta famille ou bien tu vas dire d'accord, on va rentrer, on va prendre, au moins on va prendre la moitié maintenant. Hein? Donc il faut être raisonnable. Il ne faut pas parler juste avec les émotions et les sentiments. Les gens sont comme ça, malheureusement. Donc tu prends la moitié, c'est mieux que rien. Il t'a pris tout. Et là, toi, tu veux tout. Prends la moitié, puis après, plus tard, peut-être qu'Allah il te permettra de prendre l'autre moitié. Hein? Et prendre plus, peut-être. En tout cas, le cheikh, il dit, « Wa bil tab'i, hadha ya'oud li taqrirat mu'ayyana. Amma fi hadhi al-hadithati tahdidan. » فإن الله كان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فتحا قريبا فكان ظاهر الأمر أن فيه شيئا من الذلة ولكن العاقبة كانت فتحا مبينا. Aussi, il y a quelque chose dans cette histoire de Al-Hudaybiyah. Il y a une autre chose aussi qui est mentionné dans le verset. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. Oui, c'est ça. C'est le verset 27. Parce que, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala a fait voir au prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve que les musulmans allaient rentrer à la Mecque et faire la Umrah, hein? Et il a vu ça dans un rêve. Alors il avait annoncé aux Sahaba qu'ils allaient partir faire la Umrah. Quand ils sont arrivés à Al-Hudaybiyah, hein, et que les mouchriquins les ont arrêtés, hein, il y en a beaucoup qui voulaient combattre, ils ne voulaient pas retourner. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il leur a dit ça y est, on retourne, il voulait pas, beaucoup qui retournaient pas. Je pense qu'il est rentré dans sa tente et il était avec une de ses épouses, je pense que c'était Salama ou un autre de ses épouses, et elle a dit: ô messager d'Allah, si tu rases ta tête, hein, eh bien les autres ils vont le faire aussi. Donc il est sorti et c'est là que il a rasé sa tête et les gens ont suivi. Et les gens disent: ô messager d'Allah, tu as dit que tu as vu dans le rêve qu'on allait faire la Umrah. Il a dit: oui, mais est-ce que j'ai dit que c'était cette année? Hein? Peut-être que c'était une autre fois. Hein? Peut-être pas cette fois-là. Et donc, effectivement, par la suite, il l'a fait. Hein? Il a fait le Hajj, il a fait le Hajj et la Umrah avec les Sahaba. Donc, c'est pour dire que, yani, des fois, quelque chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé, mais il n'a pas dit quand. Mais ça va se produire, c'est certain. Et ça s'est produit effectivement par la suite. Et donc il dit ensuite, le cheikh il dit: « وَبِالطَّبْعِ هَذَا يَعُودُ لِتَقْرِرَاتٍ مُعِيَّنَةٍ أَمَّا فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ تَحْدِيدًا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ يَعُدُّ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فَتْحًا قَرِيبًا فكان ظاهر الامر ان فيه. Donc c'est ça, il a expliqué que ça fait partie de certaines décisions particulières, et dans cette décision en particulier, dans cet événement là en particulier, et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a
promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons une victoire proche. Mais en apparence, il y avait quelque chose d'humiliant dans cette entente de paix. Sauf que la conclusion devait être une victoire éclatante. Et c'est là que Omar ibn al-Khattab, le cheikh, dit « Wa indama tabayyana li Omar annahu al-mukhti » C'est là que Omar ibn Khattab a compris qu'il était dans l'erreur. Amma al-sahabi al-jalil Sahl ibn Hanif fahuwa man yaqul ya ayyuhan nas ittahimu ar-ra'y falaqad ra'aytuni yawma abi jandal yani yawm al-hudaybiyah an arudda ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam amrahu يعني أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته. Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari. Et qu'est-ce que ça dit quoi? Ça dit que Sahl ibn Hanif, il a dit: oh les gens, accusez vos opinions, accusez vos points de vue personnels. Il dit: parce que je me suis vu le jour de Abi Jandal, le jour de l'entente de Al-Hudaybiyah, j'étais prêt à refuser l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si j'aurais pu le faire, je l'aurais fait. Donc c'est pour dire que il s'était basé sur son opinion personnelle et il pensait que son opinion était meilleure que la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'est très grave. Et c'est ça qui arrive à beaucoup de gens aujourd'hui. Quand ils ont à placer leur opinion personnelle dans la balance et par opposition à ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna et dans la position des salafs, ils veulent mettre leur opinion personnelle devant les textes du Coran et de la Sunna et de la position des salafs, et ils ne réalisent pas qu'il y a l'erreur dans leur position. Non, exactement. Donc le cheikh dit: لقد حاول عمر رفض الصلح رضي الله عنه لأنه رأى فيه غضاضة على المسلمين ولم ينظر ولم يعلم ما هي المصالح التي تترتب عليه لذلك ندم على موقفه وصار يحسب لذلك حسابا وصار يعني من أحرص الناس على نقد آرائه وأحرص الناس يعني على في الاتباع والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فأكسبه وللمسلمين درسا في عدم اعتراضهم على أحكام الله ورسوله ولو ظهر لهم للوهلة الأولى أن في الانضياع للأمر إجحافا وظلما فإنما العبرة بالنتائج لا بالمقدمات وهذا هو التقويم السليم وهذا هو الإيمان. Donc le cheikh il dit: Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il avait essayé de rejeter l'entente. Il voyait qu'il y avait quelque chose qui était mauvais pour les musulmans dans cette entente-là. Et il ne regardait pas, il ne savait pas non plus les bienfaits qui étaient à long terme comme conséquence dans cette entente. Et c'est pour ça que par la suite, il a eu des remords d'avoir eu cette position contre l'entente. Et Il s'est remis en question, il s'est fait des comptes à lui-même. Et il est devenu par la suite la personne qui était la plus forte dans le fait de se critiquer lui-même dans ses opinions. Et la personne qui était la plus ferme et la plus fervente dans le fait de suivre et de se baser sur l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça lui a donné à lui ainsi qu'aux musulmans une grande leçon dans le fait de ne pas s'objecter aux règles d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, même si en apparence et du premier coup on pouvait penser que dans l'ordre d'Allah et de son messager il y avait quelque chose d'injustice, parce qu'il dit que la chose à tenir compte, c'est pas la chose qu'on doit prendre en considération, c'est pas les débuts ou les commencements ou les introductions, mais plutôt les résultats, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va découler de ça. Et c'est comme ça qu'on doit juger de façon correcte, et c'est ça qui est la foi en réalité. Sinon tu regardes la chose comme certains
une vision un peu à court terme, ou bien plutôt à courte portée. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Donc ils veulent voir les choses maintenant, tout de suite. Ils ne réalisent pas à long terme comment le bien va, quel bien va découler de ça. Donc ils pensent que la question c'est juste prendre les armes. On prend les armes, puis on combat, puis ça y est, on va régler tous les problèmes avec une arme. Alors que le problème qui nous a amenés dans notre situation actuelle, c'est pas une question uniquement d'armes. C'est pas à cause seulement de la faiblesse militaire des pays musulmans par lesquels ils sont devenus faibles comme ça. Il y a d'autres facteurs qui ont ramené les musulmans dans cette faiblesse. Et tant qu'on n'aura pas réglé ça, la cause de cette faiblesse réelle, pas la cause que les musulmans imaginent, que certains musulmans imaginent, bien on ne pourra pas revenir, on ne pourra pas reprendre ce qui nous a été enlevé. Et donc, le cheikh il dit, فإن العبرة بالنتائج لا بالمقدمات وهذا هو التقويم السليم وهذا هو الإيمان ولهذا شكى عمر إلى أبي بكر فقال كيف نرضي بهذا فقال له أليس هو رسول الله قال بلى فاستمسك بغرزة أي عليك أن لا تعترض أبدا فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى فعلى المسلم أن يكون مستسلما لله ورسوله هذا هو منطق أبي بكر وهذا هو موقف اليقين والثبات عند الحق والشدائد فالناس يتفاوتون أمام المحن والابتلاءات حتى المؤمنين فهم متفاوتون في قوة إيمانهم عند ذلك. Donc le cheikh il explique que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu était, comme j'ai dit tout à l'heure, il est même allé se plaindre à Abu Bakr. Il lui a dit, mais pourquoi, comment on peut être satisfait de ça? Et Abu Bakr lui a dit, n'est-ce pas qu'il est le messager d'Allah? Il a dit oui. Il a dit, alors dans ce cas-là, cesse ne t'objecte jamais à son opinion et à son point de vue et à sa décision. Parce qu'il est le messager d'Allah, il ne parle pas selon sa passion. Et donc le musulman, il faut qu'il soit soumis à Allah et à son messager. Et ça c'est la logique d'Abu Bakr. Et c'est la position de certitude et de fermeté lors des situations difficiles et lors de la vérité. Et donc les gens, ils sont tous à des degrés différents devant les épreuves. Devant les tests. Même les croyants ne sont pas tous au même degré dans leur force de foi, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est des exemples pour nous faire comprendre ça. Donc ils ont mentionné, Ibn Kathir mentionne les raisons de cette bay'ah. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait la bay'ah de Al-Hudaybiyah, il a expliqué la raison. Puis, il mentionne différentes narrations qui sont mentionnées à ce sujet. Il dit, « ذكر الأحاديث الواردة في قصة الحديبية وقصة الصلح. » Oui, c'est ça ici. Il dit, dans l'imam Ibn Kathir, il rapporte l'histoire de الصلح الحديبية. يقول قال محمد فحدثني الزهري أن قريشا بعثوا سهيل بن عمرو وقالوا ائت محمدا فصالحه ولا تلن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا فوالله لا تحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدا فأتاه سهل بن عمرو فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم وأطال الكلام
فتراجعا حتى جرى بينهما الصلح فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتى أبا بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر أوليس برسول الله أولسنا بالمسلمين أوليس بالمشركين قال بلى قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا فقال أبو بكر رضي الله عنه إلزم غرزة حيث كان فإني أشهد أنه رسول الله فقال عمر رضي الله عنه أنا أشهد ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أولسنا بالمسلمين أوليسوا بالمشركين قال صلى الله عليه وسلم بلى قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا فقال صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني ثم قال عمر رضي الله عنه ما زلت أصوم وأصلي وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي هذا الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا. Donc c'est ça l'histoire en fait, comme j'ai mentionné tout à l'heure, comment Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il n'était pas satisfait de l'entente de la paix que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait voulu faire avec yani avec les mouchriquines. Et il a dit, après avoir demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je suis le serviteur d'Allah et son messager et je ne vais pas contredire son ordre et il ne va pas m'abandonner. Et Omar ibn al-Khattab a dit j'ai continué à jeûner, à faire la salat, à donner en sadaqa, à libérer des esclaves par crainte de ce que j'ai fait ce jour-là et des paroles que j'ai dites. Hein? Et j'espère que ce soit du bien. Jusqu'à ce que j'espère que ce soit du bien. C'est-à-dire qu'il a dit ces paroles-là, puis même par la suite, il avait encore peur que, yani, il avait fait une grave erreur ce jour-là en disant qu'est-ce qu'il a dit. Et donc, hein, il continuait toujours à faire beaucoup de bonnes œuvres pour effacer, yani, cet événement-là ou cette situation-là. Donc, c'est ça que je voulais vous lire dans Tafsir Ibn Kathir, mais il y a d'autres également. Et si vous allez voir dans Sahih al-Bukhari, et vous allez voir les mentions de cet événement-là. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera demain, bi'idhnillah. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.